Un peu à part dans le monde des crawlers, le Willy King HPI est un engin exclusivement conçu pour le fun. Une auto que l'on acquiert pour grimper les obstacles et pour faire des roues arrière à volonté grâce à sa répartition des masses taillée sur mesure pour l'exercice. Pour affronter les zones rocheuses dans les meilleures conditions et déambuler en trial, rien de mieux qu'une auto spécialement taillée pour l'aventure. Avec sa garde au sol haut perché, ses énormes roues et ses amortisseurs télescopiques, le Willy King fait justement partie des engins de cette trempe. Livré avec une teinte unique de carrosserie, ce petit crawler à l'échelle 1/12e vous en fera voir de toutes les couleurs. Sous le capot, on retrouve une mécanique déjà prête à fonctionner. La plateforme arbore une structure minimaliste où rien n'a malgré tout été laissé au hasard. La répartition des masses naturelles de l'auto ayant tendance à charger l'essieu arrière pour faciliter les cabrages à l'accélération. Phénomène encore amplifié par la présence du pack d'accu d'alimentation NIMH de 7,2 V dans un compartiment spécifique logé en porte-à-faux du châssis. À la différence d'une auto classique, le Willy King fait appel à un châssis TVP constitué de deux plaques parallèles formées d'une multitude de croisillons en plastique injecté. Cet engin dispose aussi de véritables ponts de transmission étanches à l'intérieur desquels sont renfermés les deux différentiels de l'auto. Des fusées pivotantes pourvues de cardans droits boules goupillées venant parfaire la transmission aux roues. Livré avec un émetteur à volant pistolet qui sera alimenté par 4 piles d'1,5 V fournies avec l'auto, le Willy King pourra compter sur un moteur Saturn bobiné en 27 tours pour évoluer sans saccade à basse vitesse. Celui-ci fonctionne avec le concours d'un variateur HPI SC15WP automatisé et étanche. Entièrement repensé, cette version 2014 voit apparaître un nouveau boîtier radio étanche au sein de la partie électronique embarquée. Un joint en caoutchouc de bonne facture, empêchant dorénavant toute intrusion de poussière ou d'humidité au niveau du récepteur. Pour gagner en efficacité, le Willy King dispose d'amortisseurs hydrauliques à grand débattement et à gros volume d'huile brassée. Ces derniers sont fixés directement au bas des ponts pour augmenter les débattements. Et pour parfaire les performances de l'engin au sein des zones de franchissement, une transmission 4 roues motrices veillera en permanence pour assurer une bonne motricité aux roues. Des cardans homocinétiques à fourreau coulissant combinés à un arbre rigide central permettant de conserver un grip optimal sur tous les types de surfaces.